Bonjour à toutes et bonjour à tous. Après bientôt 2 années de vague Covid et une situation de crise en cours, venir vous présenter des vœux est un exercice ardu. Et je vais ici tenter d'éviter les propos trop convenus, car les circonstances méritent mieux. Si rien ne nous aura été épargné en 2020 et en 2021, après un début de saison encourageant en 2022, avec les récentes mesures qui empêchent hélas, 42% de nos clients, nos amis anglais, de venir profiter de nos montagnes, et avec les indispensables mesures prises ces derniers jours pour contenir la flambée Covid, cette année 2022 ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Notre économie de montagne a beaucoup souffert de la pandémie, et les collectivités locales, comme celle de Val d'Isère, ont très peu bénéficié de l'aide de l'État. Nous avons accouché d'un budget communal en 2021 au forceps, et l'année qui s'annonce sera encore plus difficile. Nous avons désormais compris que la pandémie n'était pas le fait de quelques mois et nous rentrons sans aucun doute dans une période longue où il va falloir être patient, savoir vivre ensemble avec ce virus et nous réinventer. Avec énergie et détermination, tous vos élus travaillent pour relever les défis multiples et colossaux que Val d'Isère doit affronter. Les montagnards que nous sommes ont l'habitude de se confronter à des hauteurs qui les dépassent. Et avec cette pandémie, nous sommes servis. Nous allons donc rassembler notre courage collectif et nous battre pour retrouver un équilibre économique le plus tôt possible. Qui, dans cette situation inédite, peut prétendre détenir la vérité? La cohésion est aujourd'hui encore plus essentielle. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est depuis longtemps ma conviction profonde, mais les circonstances la renforcent chaque jour. Un grand merci, et je ne le répéterai jamais assez, à toutes les équipes, toutes structures confondues, que ce soit la mairie, Val d'Isère Tourisme, le Club des Sports, la Régie des Pistes, le CCAS, Val d'Isère Téléphérique, la Centrale de Réservation, la Police Municipale, la Gendarmerie et les pompiers qui ont fort à faire, et Radio Val bien sûr, ainsi que l'ensemble des socioprofessionnels de Val d'Isère. Toutes et tous donnent chaque jour le meilleur d'eux-mêmes pour notre village station, ses habitants et ses clients. Je salue également tous nos clients fidèles, copropriétaires ou non, qui en cette fin d'année sont revenus nombreux. Au-delà des difficultés du Covid, nous devons nous préparer à faire face aux enjeux climatiques qui sont pour nous un risque avec une saison plus courte, mais aussi une opportunité. Notre altitude nous garantit de la neige en hiver et de la fraîcheur en été. Val d'Isère a décidé de prendre un virage fondamental pour engager le territoire dans une transition durable et garantir la pérennité de la vie de notre village-station et de son activité touristique. Car même si la neige va continuer à être présente encore longtemps à Val d'Isère, j'en suis convaincu, il est de notre devoir de nous réinventer face aux enjeux de demain, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. En dépit de tout, je reste invariablement optimiste et j'espère que grâce à tous nos efforts, nous allons transformer notre village et notre station pour nous offrir un avenir plus serein, plus équilibré et plus durable. « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge », disait Winston Churchill. C'est dans cet esprit que je vous propose d'avancer et d'écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire pour que Val d'Isère soit à la hauteur de nos rêves. Nous ne regretterons pas 2021, c'est clair, et je vous souhaite donc à toutes et à tous, pour vous et vos proches, le meilleur. Ensemble, nous allons y arriver. Bonne année 2022.